Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Annie, ça va? Oui, je t'entends bien, Joanne. Et toi, Brigitte? Oui, c'est bon pour moi. Bonjour tout le monde. Fred? Oui, salut, moi aussi, je vous entends très bien. Si ça vous convient, je me propose de prendre le rôle d'animatrice. Toi, Annie? Je vais m'organiser pour qu'on reste centré sur la tâche puis qu'on y arrive avec le temps qu'on a. On se connaît, hein? Oui, et moi je vais prendre le clavardage. On se donne une petite règle simple. Ben, les commentaires, si vous avez des questions, ben, je vous suggère de passer par là, puis je ferai l'intermédiaire là, pour ne pas interrompre les autres. Ok. Et ben alors si je comprends bien, moi je m'occupe de prendre des notes. Est-ce que quelqu'un pourrait me remplacer juste quand moi je parle? Oui, tu peux compter sur moi, il n'y a pas de problème. Je vous propose de relire la tâche que Mme Parenteau nous a envoyée. C'est d'ailleurs notre document de travail collaboratif. Je vais vous partager mon écran dès à présent. Tiens, je vais aller dans le clavardage. Je vous envoie le lien si vous voulez, comme il faut collaborer. Ce sera peut-être plus facile pour accéder au document. Voilà. J'ai noté nos rôles dans le document d'ailleurs. Ah, c'est parfait. Donc, avant de débuter, c'est fait. Le défi. Vous êtes quatre amis qui devez planifier vos vacances de 5 jours. Est-ce que quelqu'un pourrait nous expliquer ce qu'il a compris de la tâche qu'on a à faire? Oui, moi je veux bien le faire. Alors voici ce que j'ai compris. On part en vacances, il faut choisir 10 aliments qui vont nous permettre de cuisiner 5 repas pour 4 personnes. Est-ce que tout le monde a compris la même chose? En tout cas, là, tout le monde hoche la tête, là. Ça a l'air Excellent. correct pour tout le monde. Je vais aller les écrire dans le document collaboratif Chou de Bruxelles. Ah ben non, là. Hey, on dirait que je parle tout seul, là. Il y a déjà 10 minutes de passé, puis on n'a même pas fait le dixième du travail, là. J'ai l'impression qu'on tourne en rond. Oui, tu as raison, Annie, là, on va se replacer. Écoute, qu'est-ce que vous en pensez si on se donnait des critères, là? Ça, il me semble que ça nous aiderait, là, à choisir des aliments. Ça nous permettrait de faire des choix minimalement. Auriez-vous des idées? Brigitte, tu parlais de critères. Veux-tu nous donner des exemples? Ben, tu sais, par exemple, est-ce qu'il y a des aliments qu'on pourrait utiliser pour plusieurs repas, mettons? Ça pourrait être un critère, je donne un exemple, des œufs, hein? On pourrait en prendre le matin, pour le dîner, etc. Oui, c'est une bonne idée. Puis, genre, ou comme des patates, j'imagine. C'était vraiment intéressant ce qu'on a dit tout à l'heure avec les critères que Brigitte nous a suggérés. Là, Attends, on a trouvé. Fred, est-ce que ça va? Je te vois froncer les Oui, sourcils. Ça va? désolée, c'est juste que vous allez un petit peu vite et que j'ai pas eu tout le temps de prendre en note, mais ça va. C'est bon. Hey, je vais t'aider pour les notes. J'avais dit que je t'aiderais. Attends, je m'y mets avec toi, OK? Ça va être plus Ah oui, facile. c'est Dites-moi, est-ce que chouette. quelqu'un pourrait résumer plus lentement le dernier bout de la discussion pour Fred? Oui, ça, je peux m'en occuper. Donc, on a dit. Bon, hey, là, la gang, il nous reste 5 minutes. Ah, merci Annie. On y est presque arrivé, là. Fred, veux-tu nous résumer notre décision finale? Oui, avec plaisir. Alors, voici notre super liste de 10 aliments pour nos vacances. Donc. Bon, mais génial, on a passé au travers. Je m'occupe de faire parvenir notre travail à Madame Parenteau. Ah oui, écoute, n'oubliez pas la dernière étape, il faut remplir le sondage d'évaluation de nos stratégies de communication. L'hyperlien, il est justement dans notre document collaboratif. Ok, super, ça marche. Bah écoutez, merci à toutes, super équipe. Ça m'a donné faim, tout ça. Je vais aller manger. Bye bye. Merci tout le monde, bon C'était appétit. génial, hein? Merci Bye tout le beaucoup. monde.